Yo, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau tournoi. Et aujourd'hui c'est assez spécial parce que je suis avec Captain. Captain, ouais. Je suis avec Captain Popcorn. Bah merci de me recevoir. Ah bah merci à toi d'être venu gros. Je t'avoue, je t'ai connu grâce à Game of Thrones, je pense que c'est là où ça... Ouais exactement, ouais, ça m'a donné pas mal de visibilité. Et moi j'avais vu bah, forcément comment passer à côté de tes tournois qui embrassent, qui embrassent tout internet, notamment Twitter. Et en plus celui-là je pouvais pas le rater donc... Ah bah là mec super héros parce qu'en plus c'est ton domaine, tu connais le MCU mieux que ce que tu connais de toi. Peut-être. Je vous ai demandé sur Twitter et sur Instagram de me citer vos trois super-héros préférés. Il y a eu plus de 400 000 réponses et j'ai sélectionné parmi ces 400 000 réponses les 32 super-héros les plus cités. Donc en gros, j'ai fait une liste, voilà, un par un, sur Excel. C'était long. Et ensuite, sur Instagram et sur Twitter, je les ai fait s'affronter. Et vous deviez choisir lequel vous préfériez. Et pourquoi j'étais pas dans la liste, moi? Ah bah attends, t'aurais dit quoi, toi? J'aurais peut-être mis Batman, Hulk et Wolverine. Ok! Bonne nouvelle, les trois sont dans le tournoi. Et je vous rappelle la règle d'or de cette vidéo. Si vous commencez à sentir une petite frustration, un petit seum, même un gros seum, parce qu'il n'y a pas de petit seum dans les tournois que j'organise, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air. Apparemment, ça défoule, ça détend. C'est déstressant. C'est déstressant, ouais. J'ai vu ça sur une étude de. C'est ma prof d'SVT qui m'avait dit ça. D'accord. Quand j'étais au collège. Et en plus, no joke, elle s'appelait Madame Stark. Shoot out à Madame Stark, je te jure qu'elle s'appelait Madame Stark. Et si vraiment vous en pouvez plus du tout, il y a le bouton s'abonner. Et alors là, c'est plus qu'un déstressant, c'est de la morphine. Vraiment, ça te... tu cliques sur le bouton s'abonner, ça te détend tout de suite. Est-ce que t'es prêt, Sylvain? Le premier duel, il s'agit de... Deadpool. T'aimes bien ou pas? Ouais, j'aime bien. Ok. Face à... Oh merde! J'espère si vous me sortez Hulk dès le premier, je vais pas être content. Hein. Bon, tu aurais voté Hulk du coup. J'aurais voté Hulk, mais je sais que Deadpool est hyper populaire. Moi j'ai une question par rapport à Deadpool. J'ai reçu 1 milliard de messages sur Twitter en me disant que ça n'était pas un super-héros, que c'était un anti-héros. Alors moi j'ai ma réponse pour ça. Ça marche pas comme ça les amis, anti-héros, super-héros. Anti-héros c'est un terme plus scénaristique, c'est-à-dire que c'est en mode... Il a pas les caractéristiques d'un super-héros normal. Alors tu aurais préféré Hulk ou Deadpool? Moi j'aurais Hulk Smash, hein. J'espère bien qu'il va écraser la gueule de Deadpool, même si elle va régénérer tout de suite. Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est Deadpool qui passe au deuxième tour. Donc, Hulk est éliminé. Mais c'est quoi ces vanupiers qui ont voté, là? Avec tout le respect que je vous dois, la communauté. Mais attends, ça s'arrête pas là, parce que là, du coup, Deadpool, il tombe face à un vrai super... Enfin, un vrai super-héros. Un super-héros. Genre, Hulk, c'est pas un vrai super-héros? Non, c'est un vrai super-héros. Mais un super-héros qui a reçu beaucoup de votes, tu vois. Genre, qui était dans le top classement des votes, et il tombe face à... Thor. Deadpool c'est un super héros assez récent par rapport aux autres d'ailleurs de la liste. C'est années 90 hein, si je me trompe pas. Alors que Thor. Assez récent. Putain. Bah Thor c'est 1962. Alors Thor. Enfin mec tu croyais vraiment d'esquiver ça ou quoi? Merde on y retourne. Il parle depuis tout à l'heure. Thor ou Deadpool? À mon avis c'est Deadpool. Moi j'aurais voté pour Thor. Ok. C'est Deadpool. Qui est passé. Il va aller loin, je savais que c'était des favoris. Il est très très aimé Deadpool. Parce qu'il a une grande gueule. Il casse le quatrième mur, donc il parle directement au spectateur. Et ça, s'il casse les codes, ça plaît beaucoup. Comme Malcolm, mais c'est peut-être pour ça. J'espère qu'il va tomber sur Batman et qu'il va se faire défoncer. Ah, peut-être. On va voir la suite d'ailleurs en parlant de Batman. Face à... Écoute mon grand. On va être très potes tous les deux. Sauf que tu le sais pas encore. Wolverine. Oh la violence. La violence, tu m'as déjà bousillé Hulk. Et là, faut choisir entre les deux. Il n'y en a qu'un seul qui va passer. Ouais. Moi, j'aurais voté. Moi, c'est Batman, je crois. Batman pour toi, ok. Et ce sera Batman. Batman qui est passé. Mais c'est dommage pour Wolverine. Tomber aussi rapidement sur Batman, c'est chaud. Là, faut se préparer. Là, on va parler de deux super-héros auxquels je n'avais pas du tout pensé. Je suis sûr que si je t'avais demandé, toi, de me citer 32 super-héros, tu m'aurais pas cité ces deux-là. Certainement. Le premier, il s'agit de... Saitama, de One Punch Man. Et le deuxième super-héros qui tombe face à Saitama au premier tour, il s'agit de... Monsieur Indestructible. Bob Parr. Les Incroyables en version québécoise. Les Incroyables? Oui, parce que c'est Incredibles en VO. Oh non! Ah bah si! Putain, les Québécois frérot, non mais c'est chaud! Les Incroyables! On vous aime, mais putain, les gars! C'était quoi que j'avais vu? C'était Cars, les bagnoles.
Qui tu préfères, toi, entre les entre Monsieur Indestructible ou Saitama? C'est très compliqué. Ah, mais c'est hyper différent, c'est tellement différent. Ouais. Premier Indestructible, enfin le deuxième, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, mais le premier était vraiment génial. Saitama est tellement ce gimmick, il déglingue tout le monde en un coup, j'aurais peut-être voté pour lui quand même. Et à mon avis, c'est lui qui a gagné. Mais... Les gens sur Instagram, ils ont voté, et c'est tombé sur un 50-50. Pile. C'est pas possible, ça. Si, c'est possible. Ah, merde. Donc, du coup, c'est Twitter qui a pris la décision. Je sais plus, je n'ai plus de tête exactement les pourcentages, mais je sais que c'est Twitter qui a fait passer Saitama. Très bien. Donc, ça te convient. Bon, moi, les deux me convenaient, mais ouais, c'était serré, ouais. Ok, mais entre Saitama et Batman, tu préfères qui? Moi, je vais toujours te répondre Batman, donc il n'y aura pas de suspense. Ah ouais, tout le temps. Batman jusqu'à la fin. Tu m'as demandé Batman. On est au deuxième tour, on a Saitama contre Batman, et vous avez préféré Batman, en effet. Bon, c'est bien. Est-ce que ça te convient pour l'instant, ce qui se passe? Quand même, c'est le seul de mes trois préférés qui me reste, tu veux, hein, parce que je t'avais dit Batman. Ah ouais, Batman, Wolverine, Hulk. Wolverine, donc, il te reste que Batman. Il n'y a que Batman. Donc, ah bah mec, va falloir compter dessus. Il y a plein d'autres super-héros que j'aime bien, hein, donc j'aurais peut-être pu te dire Captain America, notamment celui du MCU que j'aime particulièrement. Mais... Ok, on est au premier tour. Et là, on arrive avec une série. Enfin, une série, ça reste un super-héros qui a été découvert dans les comics. Je suis intrigué. Selon de nombreux témoins, l'homme responsable de cette violente agression n'est autre que le célèbre justicier connu sous le nom de Daredevil. Ah, tu savais que la première itération du personnage Daredevil, il avait un costume jaune et rouge avant d'être tout en rouge. Oh, c'était dégueulasse. Effectivement, c'est pas beau du tout. Tu es fan de ce personnage? Moi, ou... j'aime beaucoup Daredevil. Et j'ai beaucoup aimé la série Netflix et j'ai lu aussi des comics et moi je le trouve hyper intéressant. C'est parti de ces personnages à faible niveau de pouvoir, ouais. Mais hyper intéressant, très torturé et tout. Et Daredevil tombe face à... Black Panther, quand même premier super-héros noir de chez oui. Marvel. Oui. 1966, c'était le numéro 52 des Fantastic Four, des 4 Fantastiques. D'ailleurs, il n'y a aucun personnage des 4 Fantastiques J'allais te faire remarquer, ouais. Et le premier super-héros noir américain, ouais. Après, c'est le Faucon, et lui, c'est 1969. Putain. Et Luke Cage arrivait encore plus tard. Nick Fury, il apparaît quand? Bah alors Nick Fury, c'est un blanc dans les comics. Donc ils l'ont mis avec la tête de Jackson dans des comics très récents, je sais plus si c'est version Ultimate ou je sais pas quoi. D'accord. Alors Black Panther ou Daredevil? J'adore les deux personnages, mais personnellement je préfère un peu Daredevil, mais je pense que c'est Black Panther qui a gagné par contre. Eh bien les gens ont préféré Black Panther, en effet. Et donc du coup Black Panther passe au deuxième tour. Et là Black Panther il va tomber face à un super-héros, et franchement je pensais pas que ce super-héros était autant aimé, autant apprécié. Doctor Strange. Chronique voilà. Là aussi. Ouais. Parce que là, on parle de popularité, mais si on parlait de puissance. Oh putain, mais mec, je rêverais. Je rêverais parce que qui de Black Panther ou de Doctor Strange? Bon, c'est Doctor Strange. Pour moi, Doctor Strange, il fume. Doctor Strange, il fume à peu près tout le monde. À partir du moment où il peut t'envoyer dans une autre dimension. Oui, ciao quoi. Au revoir. Lequel des deux passe en quart de finale et se retrouvera face à Batman? Et ce sera Doctor Strange. On est en quart de finale et on arrive sur un nouveau duel. Il s'agit de Batman face à Doctor Strange. Oh, tu continues tout directement là. Ah bah oui. Mais qui peut battre Batman? Parce que il est le Batman. Qui passera en demi-finale d'après toi? Bah Batman. Les gens préféraient Batman. Évidemment. En effet, bah oui. Maintenant, on arrive face à un super-héros. Le film est plutôt récent. Il s'agit de Alors c'est marrant parce que Aquaman, si tu vires le film récent qui l'a bien repopularisé, qui se base sur les comics qui avaient bien reboosté le personnage quand même, ouais. Assez récemment, mais avant c'était vraiment le loser de chez DC dont tout le monde se foutait, Aquaman. Bah ouais, c'était le mec qui s'est... Même dans les dessins animés, les autres héros se foutaient de sa gueule, etc. Parce qu'il... Quoi? Sérieux? Parce qu'il parlait aux dauphins et qui servait à rien, quoi. Et Aquaman tombe face à... Sam? Scarlet Witch. Ok, donc bon, toi tu dis Scarlet Witch, du coup. Moi je préfère Scarlet Witch. Ok, les gens ont préféré Aquaman. Eh les mecs, là, les filles auraient dû se... Ouais, se mobiliser. Dans les films, là, récemment dans le MCU, vers la fin de Endgame, on voit qu'elle est très 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 puissante. Mais bon, vous avez quand même préféré Aquaman, un mec qui parle aux dauphins. Ah, donc, super. Tout ça parce que c'est Jason Momoa, quoi. Aquaman passe au deuxième tour. Et celui ou celle qui va l'affronter juste après, c'est le gagnant de ce duel-là. J'ai hâte. Et il s'agit de... Wonder Woman face à... Ha 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 ha!
Ah, si elle perd contre Kika, c'est la honte internationale, quoi. Bah, Wonder Woman, merde, quand même, c'est Wonder Woman, quoi. Alors, Wonder Woman, elle a failli s'appeler Suprema the Wonder Woman. C'est pas beau. C'était moche. Vous avez bien fait de changer. C'était il y a très longtemps, ça aussi, hein, parce que le premier concept, c'était en 1940, et son première apparition dans les comics, c'était en 1941. Le tout premier comic, c'est Superman. Sur la définition du tout premier super-héros en comics, il y a des avis d'experts qui divergent, mais généralement, on dit que c'est vraiment Superman, c'est lui qui a lancé le fameux âge d'or des comics. Ok. Même s'il avait eu des espèces de prédécesseurs, comme le Mandrake le magicien, Fantôme, notamment. Ok, bon, je connais pas du tout ça. C'est des très vieux comics. Donc là, il y a Wonder Woman, 1941, les amis. Elle est vieille. Ancien personnage. Face à Kick-Ass, 2008. Bon, tu préfères qui, toi ? Wonder Woman. Et vous avez préféré Wonder Woman. Tu m'as fait peur, putain. Donc voilà, Wonder Woman se retrouve au deuxième tour face à Aquaman. Wonder Woman, sans déconner. De toute façon, avec Wonder Woman, elle a trop la classe. Et Gal Gadot, elle déchire en Wonder Woman. Tu sais que je l'ai rencontré et je lui ai tapé la bise. Sans déconner. Je te jure, c'est vrai. Extrait. That is Hi, nice to meet you. Okay, right. Et je suis tout petit, parce que je suis petit. Enfin, je suis pas petit, je suis... Ça va. Oh, c'est bon, je peux parler de moi un peu, là. Frustration. Et donc, du coup, j'ai tapé le check à tout le monde, j'ai fait une petite photo et tout, et il y a le vlog qui est dispo sur ma chaîne. Allez, Wonder Woman ou Aquaman ? Les gens ont préféré. Wonder Woman, ouais. Donc c'est Wonder Woman qui passe en quart de finale et qui se retrouve donc face à Deadpool. Ah là, Deadpool, c'est chaud. Une popularité, je dis, c'est un gros player. Deadpool, pour moi, il va aller très loin. J'ai même peur contre Batman, tiens. Non, Batman peut pas perdre contre Deadpool. Ah, on fait tout de suite, là, en plus ? Ah oui. Ah, mais toi, t'as aucune pitié. Ah non, j'ai plus de temps à perdre, là. J'aurais dit Wonder Woman, mais je pense que c'est Deadpool qui a gagné. Le gagnant de ce duel, ou la gagnante de ce duel, va aller tout de suite en demi-finale face à Batman. Et vous avez préféré Deadpool. Ouais. Tu sais que ça fait deux fois qu'il me casse les couilles, ce Deadpool, là. J'ai fait un tournoi des films. Films, hein. Tout confondu, hein. Il est arrivé jusqu'en demi-finale, à cette place-là. Tous les films de l'univers. Tous les films, tout confondu. Il y avait Deadpool, et Deadpool est arrivé jusqu'en demi-finale. C'est un truc de ouf. On revient au premier tour, ok ? On va passer à un autre duel. Là, il s'agit d'un personnage très peu connu dans l'univers des comics. Tu le connais même pas, je pense. Ce serait pas le gars de My Hero Academia ? Non. Il s'agit de... Superman. Ah oui, le mec là avec le... Il a un slip là. Il a un slip, tu connais un peu ou pas trop ? Non, pas trop. Je peux pas supporter les mecs avec des lunettes de toute façon. En plus, Superman, au premier tour, il tombe face à... Et là, no joke, là c'est vraiment vrai, oui je m'y attendais pas du tout. Et je suis content qu'il soit là parce que moi je suis un grand fan. Il s'agit de... All Might. Donc oui, All Might, c'est le super-héros de l'animé My Hero Academia. Et moi, je kiffe My Hero Academia. Et tu connais toi un peu ? Je connais très mal. Très mal, ok, d'accord. Je sais quand même qu'il a, il a le One for All. Ouais, bon, mais pour quelqu'un qui connaît pas, c'est quand même fou de connaître un peu. Moi, quand je connais pas quelque chose, je connais pas quelque chose du tout. C'est vraiment super, je te la conseille vraiment. C'est trop cool. Moi, je passe un putain de bon moment devant. Et même les gens qui n'aiment pas trop les animés, je vous le conseille quand même. Tu me motives à regarder. Là. Ouais, c'est vraiment cool. Genre, t'as une sensation de ouais, vas-y, bute-le ! Comme un match de foot, quoi. Alors, à ton avis Superman, c'est le super-héros emblématique. Bah oui, moi je dis All Might, parce que j'adore All Might. Ah, je comprends. Vous avez voté, et les gens ont préféré Superman. Donc Superman passe au deuxième tour, et là, mon cher Sylvain, mon cher Captain Popcorn, Superman tombe face à... Iron Man. Bon, tu as vu Endgame et je pense qu'il a pris une hype. Tu m'étonnes. Je veux des anecdotes sur la partie comics. Moi, je sais que c'est le premier film du MCU. Ben oui. Ça, c'est cool. C'est le premier film de Marvel. Moi, j'ai kiffé de ouf ce film. C'était trop bien. Mais avant ça, il me semble que c'était pas foufou Iron Man dans les comics. C'est un personnage relativement secondaire dans les comics, même si moi je le connaissais, je l'aimais beaucoup déjà. Ouais, c'était pas un des gros joueurs de l'écurie Marvel, et c'est pour ça que le côté prise de risque de lancer le MCU avec Iron Man, c'est quand même assez énorme. Oui, grave. Bon, du coup, Superman tombe face à Iron Man. Bah, avec la hype de Endgame et tout, ça y joue. De toute façon, Superman, il a aussi ses détracteurs parce qu'il est trop parfait. Donc. Les gens préfèrent un personnage avec des défauts comme Tony Stark. Et moi j'en connais un de personnage qui a des défauts et qui va plutôt loin. Qui me casse les couilles depuis le début, il s'appelle Deadpool. C'est un défaut ambulant. Et c'est un défaut tout court, c'est tout. Tony Stark, il avait été un peu imaginé sur le modèle de Howard Hughes, un milliardaire américain. Ah, je crois que c'était Elon Musk, moi. Bah, pourquoi Tony Stark, c'est Elon Musk? Bah, on peut en faire la comparaison, mais oui, à la date de sa création. À la date de sa création, du coup, ok. C'était années 60 aussi. Hein. Entre Iron Man et Superman, lequel des deux passera en quart de finale? Et ce sera
Iron Man. Et là, du coup, on va revenir au premier tour, et là, attention. Je m'excuse d'avance. Si vraiment, je vous rappelle, si vous avez vraiment le seum, pouce en l'air direct, ça va vous déstresser, surtout avec ce duel-là. Le personnage, c'est dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Et il s'agit de Rocket Raccoon. Ça, c'est un rire forcé. C'est un vrai rire. Totalement forcé. Je te dis que c'est un vrai rire. Faut se mettre dans le mood des gens qui étaient sur Twitter et sur Instagram. On est lundi matin, début de semaine, tranquille. Oui, il y a eu Saitama vs Monsieur Indestructible. Oui, il y a eu des Batman vs Wolverine et tout ça, mais là... T'es quand même pas mis Groot face à Rocket Raccoon, ce serait vraiment vicieux. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Non ! Groot. Oh la vie. C'est moche. Alors, tout est aléatoire, vraiment. Tout est aléatoire. Je suis en mode... Tout se met aléatoirement, parce que sinon... Ah, mais le hasard fait très très mal les choses. Et là, du coup, oui. Très bien. Très bien. Pour moi, je suis content, tu vois. Ouais. Ça fout le seum à tout le monde. Je passe une très bonne journée, comparé couple, à vous. Le couple, les mecs, ils s'adorent, quoi. Ils sont trop dessus dès le début, quoi. Et Groot, lui, il a commencé dans la comics juste comme un espèce de méchant végétal qui menaçait la Terre, tout simplement. C'est devenu un héros après, quoi. Quoi ? Sérieux ? Ouais. Donc Groot, c'est un méchant à la base. Ouais. Premier tour. Rocket Raccoon face à Groot. Les gens ont préféré. Rocket Raccoon. Groot. Sans déconner. Les deux inséparables, c'est tellement vicieux. Et Groot arrive donc au deuxième tour. Et oui, les gens ont préféré Groot et c'était terrible, ça vous a arraché le cœur. Je suis vraiment désolé. Il tombe face à Flash au deuxième tour. Ce serait assez dingue qu'il perde contre Groot, donc je pense quand même que c'est Flash qui va l'emporter. Eh ben ça tombe bien, parce qu'entre Flash et Groot, vous avez préféré Groot à nouveau, qui arrive du coup en quart de finale, et je trouve ça énorme pour, je cite pour les gens de Twitter, peau. Voilà, pour une pente en peau, pour un bout de bois, pour un... Moi je suis content, La conscience environnementale qui est là aussi, hein, l'air de rien. Eh, c'est vrai que ça y joue, hein. On revient du coup au premier tour avec un personnage que j'ai complètement oublié et que pourtant j'aimais quand j'étais petit. Il s'agit de... Traite-moi de trou de cul, encore une seule fois. Trou de cul. Et du coup, Hancock tombe face à... Green Arrow. Derrière Hancock, parmi les scénaristes, ils sont peut-être plusieurs, il y a Vince Gilligan, le scénariste de Breaking Bad. Ah bah oui, de Breaking Bad. Mais je savais même pas ça. Et ben voilà. On est au premier tour, ça se joue entre Green Arrow... Bon, Green Arrow quand même. ...et Hancock. Et ce sera... Ouais. Green Arrow, qui passe donc au deuxième tour. Il n'y a personne au deuxième tour là, tu vois, là, la case est vide. Ouais. Ça va jouer entre deux super-héros. Ça se joue donc entre Spider-Man et, à ton avis, c'est qui ? C'est Ant-Man ? C'est Ant-Man, ouais. Spider-Man, pour moi, c'est mon super-héros, c'est que j'ai grandi avec, tu vois, je suis en mode... On sait déjà quel est ton favori, t'es Non mais voilà, mais Ant-Man, ce film ne m'attire... Enfin, ce personnage ne m'attirait pas du tout. Et j'ai vu, du coup, j'ai vu que le premier, et j'ai beaucoup aimé, parce que moi j'adore quand ça commence à parler de quantique, d'atomes, de trucs et tout, moi je kiffe de ouf. Et je savais pas que ça allait aussi loin, et ça pousse quand même loin, ouais, le truc, assez, quoi. Ouais. Alors, bah, Spider-Man va le défoncer, hein, malheureusement. Bon, oui, effectivement, en effet, vous avez... Là, je peux vous spoil direct. Oui, Spider-Man a écrasé Ant-Man. C'est lequel le dire, écrasé, ouais. Ah, voilà, il est bien... Il essaie un peu de devenir grand, mais... Donc, Spider-Man passe au deuxième tour et tombe du coup face à... très loin. Il tombe du coup face à Green Arrow. Ah oui, mais il va défoncer. Bon, effectivement, il a défoncé. Vous avez préféré Spider-Man, qu'est-ce que tu veux ? Spider-Man. Attention. Parce que là, Spider-Man, il arrive en quart de finale. Et qui se trouve en quart de finale ? C'est notre cher Groot. Il ne faudrait pas que ce soit une plante carnivore pour notre petite araignée. Waouh ! Et donc, du coup, Spider-Man tombe face à Groot. Pour mes goûts personnels et en termes de pronostics, ça ne peut être que Spider-Man. Les gens ont préféré... Oui, Spider-Man. Est-ce que t'as eu un coup de stress ? Un tout petit peu, j'ai presque réussi. Spider-Man, du coup, passe en demi-finale. Peut-être le premier super-héros qu'on a découvert au cinéma dans les années 2000, quoi. Est-ce que c'est Peter Parker ou Miles Morales ? Alors, moi, quand je mets Spider-Man, c'est tout le monde. Ouais, mon Spider-Man, c'est Tobey Maguire. Ouais. Je sais plus... Tu prends pas trop de risques en disant ça. Mais t'as raison. Mais oui, c'est mec, j'ai grandi avec... Il passe son temps à chialer quand même. Hein. Oui, mais ouf, mais mec, le souci de cet acteur, c'est comme Harry Potter, mec. Daniel Radcliffe, mec, je peux le... C'est vrai qu'il chiale comme ça tout le temps. Putain, moi quand j'allais au cinéma et que j'allais voir Spider-Man, c'était lui. C'était un gros choc. Il a tellement ouvert la voie au film de super-héros. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Tellement, quoi. Mais moi, je fais partie des gens qui aiment bien Tom Holland dans Peter Parker. Je suis très content aussi. Non, vraiment, c'est juste que j'ai... Ah, ouais. C'est mon enfance, du coup. Tobey Maguire, c'est mon enfance de ouf. Donc. Enfin, on revient au premier tour. Et là, du coup, on tombe sur un duel. D'un côté, nous avons Punisher. Yeah.
Et de l'autre, nous avons Black Widow. Deux personnages qui ne rigolent pas. Exactement, jamais. Entre Black Widow et Punisher, ce sera Black Widow qui passe. Alors du coup, Black Widow passe au deuxième tour. Et au deuxième tour, il y a quelqu'un que tu connais très bien, je pense, qui l'attend avec un petit bouclier. C'est Captain. Gros fan du personnage depuis le MCU, surtout. Tu préfères Captain America, c'est ça? Oui. Et du coup, vous avez voté, les amis, et vous avez préféré Captain America. Captain America passe en quart de finale et tombe face à Iron Man. Enfin, de toute façon, les deux personnages-là, je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur arc narratif avec Endgame. Grave. Que de mon point de vue, ils ont un peu gâché Thor et Hulk, mais comme quoi, on peut gâcher certains personnages et vachement réussir d'autres. C'est bien ce que tu dis là, parce que t'es aussi fan des comics, toi. Donc du coup, enfin, t'as lu les comics et tout, et donc du coup, je sais que t'as des puristes comics qui sont en mode « Ah, les films, nanana. » Et c'est bien ce que tu viens de dire là, c'est que oui, certes, t'en as certains qui ont été gâchés, mais t'en as d'autres qui ont été peut-être pas améliorés, je dirais pas. Et encore si, améliorés, parce que tu parlais. Ouais, on pourrait le dire. Hein. Tout à l'heure, c'était qui? On parlait de qui? C'était. Non, pas Aquaman, moi, Aquaman, c'est encore différent. C'est Iron Man, oui, Iron Man. C'est un personnage relativement secondaire dans les comics, ouais, voilà. Ils ont fait la figure de proue de l'univers cinéma, quoi. Et entre Iron Man et Captain America, vous avez préféré Iron Man. C'est Iron Man, du coup, qui arrive en demi-finale. Alors, donc là on est dans le dernier carré des finalistes. Batman face à Deadpool d'un côté, et de l'autre côté, Iron Man face à Spider-Man. Déjà, t'en penses quoi? Ça m'étonne pas trop. Alors pour moi, t'en as 3 sur 4 qui sont légitimes. Parce oui, que Deadpool, il m'est sympathique, Deadpool, hein, c'est pas le problème. Mais pour moi, il mérite pas d'entre les 4 plus grands super-héros de l'univers. Je verrais bien une finale Batman... Iron Man, en termes de popularité, personnellement. En plus, ça serait une bonne leçon, parce que c'est pas deux super-héros qui n'ont pas de pouvoir. Ouais, c'est vrai, exact. Au moment où on tourne cette vidéo, ça n'est pas encore fini. Je sais qu'il y a un duel où c'est terminé, mais il y en a un où ça se joue à très peu, donc c'est encore plus récent pour toi. Avant de savoir qui de ces 4 super-héros se retrouveront en finale, je vais quand même parler de certains super-héros dont je n'ai pas parlé depuis le début. Le premier, c'est Robin, parce que Robin fait partie de ce tournoi, mais il s'est fait exploser par Thor au premier tour. Ensuite, il y en a un autre, il s'agit de Shazam. Ah, Shazam. Ouais, j'en ai pas parlé parce qu'il était tombé au premier tour face à Iron Man. Ah bah ouais. Il est tombé face à Iron Man, donc il s'est fait manger. Et c'était très marrant parce que du coup, il s'est fait tellement manger, les gens commentaient beaucoup de fois sur Twitter le mot Shazam. Et du coup, le mot Shazam est arrivé en TT. D'ailleurs, comme tous les super-héros d'ailleurs dès le premier tour. Du pouvoir que t'as, mais... Ouais, bah je suis un super-héros. Mais ouais, du coup, ouais, Shazam, j'en ai pas parlé. Je l'ai vu, je trouve ça sympa. Ça m'a pas marqué. Hyper vieux, hein, Shazam comme personnage. C'était un personnage qui avait été créé pour un peu copier Superman, qui a eu un énorme succès dans les années 40. Ah d'accord, donc c'était pas comique dès le début en fait, c'était pas... Et DC Comics a racheté Shazam en 1970-72, je crois. D'accord. Et en fait, il s'appelait pas du tout Shazam, il s'appelait Captain Marvel. Quoi? Oui. Il s'appelait Captain Marvel, sauf qu'au moment où DC a racheté Captain, le personnage, Marvel avait racheté le mot Captain Marvel. Marvel, Captain du coup. Marvel. Ah ouais, donc c'est un putain de bordel. Et Shazam ne s'appelle Shazam dans les comics que, je crois, depuis 2010-11. Ah ouais, d'accord, c'est récent de ouf, ok. Ensuite, il y a Green Lantern, dont je n'ai pas parlé. Moi, il m'inspire pas des masses, mais après, bon. Si vous êtes fan d'un mec qui tire ses pouvoirs d'un bijou, pourquoi pas. Ah oui, et le dernier dont je n'ai pas parlé, c'est Star-Lord. Ah. Ouais, du coup... Bon, n'en parlons pas. Ah ok, ah ouais, un d'accord, putain. Qui de ces 4 super-héros se retrouveront en finale? Avant ça, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir et c'est ce qui me motive le plus. Je vous invite également et surtout à aller voir le contenu de Captain Popcorn, parce que c'est trop bien ce que tu fais, c'est mec. C'est super gentil, merci. C'est trop bien et t'as une culture de ouf et vous l'avez vu durant cette vidéo, il connaît trop de choses. Même sur les choses qu'il connaît pas, il connaît. Tu vois le délire? Donc je vous conseille vraiment d'aller checker sa chaîne, allez vous abonner à Captain Popcorn, c'est trop cool ce qu'il fait. Le lien de sa chaîne est dans la description. Là, t'es sur quoi en ce moment? Bientôt, il y a plein de grosses séries qui arrivent, donc j'ai pas mal de branchées séries, mais je parle aussi de films, donc... Toi, tu parles de tout ce qui est pop culture, en fait, ouais, tout ce qui est lié à la pop culture, donc... Vu comment vous vous acharnez sur les tournois, et qui ont un rapport énorme avec la pop culture, je pense que vous allez kiffer son contenu. Maintenant, mon cher Sylvain, mon cher Captain Popcorn, nous arrivons enfin au premier duel. Nous allons parler du premier duel entre Batman et Deadpool. Lequel des deux se retrouvera en finale? Le pouce va chauffer si c'est des... Ah mais là ça va faire mal. Ça va chauffer un mort. Mais quoi qu'il en soit, le pouce va chauffer. Sur Twitter, c'est Batman qui gagne.
sur Deadpool. Non, je vais aller voir sur Instagram. C'est ouf, la popularité de Deadpool, c'est incroyable. Sur Instagram, c'est Deadpool. Oh non, on me dit pas ça. Mais moi, je regarde pas les pourcents, je regarde les votes, le nombre de votes exact. Il y a plus de votants sur Twitter, rassure-moi. Je vais checker ça dans mon coin là-bas. Je te laisse ici en stress, je suis en stress tout autant que toi, je te jure. Et ce Deadpool, s'il arrive en finale, il m'aura fait chier, mais dès le début, je te... C'est... J'arrive. Je me mets là et je regarde. T'as dû sortir la calculatrice, c'est ça? Ok, bon. Moi, j'en peux plus, là. Il y a une différence de vote de 3500 personnes. 3500 votes. Ça doit faire genre 1% des votants, donc, ça? C'est que dalle. Nous sommes donc en demi-finale, et d'un côté, nous avons le Chevalier Noir, Batman. I'm Batman. Face au casse-couille, je l'appelle casse-couille, hein. Moi, c'est bon. L'autre, je l'appelle Chevalier Noir, lui, je l'appelle casse-couille. Face au casse-couille... Deadpool, les amis, vous avez voté. En votre âme et conscience. En votre âme et conscience, c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui votez. Et vous assumez les conséquences. Et vous assumez toutes les conséquences. Celui qui se retrouvera en finale, ce sera Deadpool. Faut qu'on respecte une minute de silence. Ouais, ouais, je... Un peu comme à la mort des parents de Bruce. C'est une deuxième mort pour lui. Hein. C'est une deuxième... Oh non, Deadpool en finale, mec, je viens de réaliser, là. Oh là là. Oh, non, bah, non, 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 non. Il faut qu'on compte sur soit Iron Man, soit Spider-Man pour arrêter cette mascarade. Oh là 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 là, mais mec, Deadpool. Remarque sur une espèce de truc à poule, comme ça, un tournoi, c'est un poule, et un mec Deadpool, c'est normal qu'il... Tu vois. Et donc maintenant, nous allons passer à l'autre duel. En vrai, ce duel fait très mal. Ben, ce duel-là, il est terrible. Quand on pense au MCU... Ouais, voilà, quand tu connais MCU, quand tu connais Endgame, quand tu connais même la relation que ces deux personnages ont, nous sommes en demi-finale. Le gagnant de ces deux super-héros se retrouvera tout de suite en finale face à Deadpool. Bon, j'ai les résultats. Holy pour shit. Le coup, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram... C'est net. C'est... ouais, c'est net. Les amis, vous avez voté sur Instagram et sur Twitter. Donc du coup, là, on va enfin savoir la finale de ce tournoi des super-héros. Donc entre Iron Man... Et Spider-Man. Vous avez préféré Iron Man. Ouais, pas étonnant. T'es déçu, on dirait. Bon, ça fait de la peine de perdre Peter. Ça me fait chier, mais je comprends. Mais en fait, je... Iron Man, c'est... Bah, c'est devenu la figure de... Ouais, c'est la figure de pro de... ouf. De Marvel au cinéma. Ça y est, c'est bon. Ça se joue entre Deadpool ou Iron Man. Donc nous avons notre finale. Les amis, c'est encore à vous de voter. Donc rendez-vous sur Instagram ou sur Twitter ou sur les deux. Comme ça, il y aura beaucoup plus de votes et on saura vraiment qui mérite d'être le super-héros préféré des abonnés. Batman. Captain Popcorn, merci beaucoup d'être venu. Bah, Sofiane, c'était un grand plaisir. J'ai vraiment kiffé, c'était super. Ouais, fun. C'était cool. Ouais, ça t'a plu? Ouais, carrément. N'hésitez vraiment pas, je le répète, mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ça, c'est gentil. Ça. Ah, vraiment, mec, c'est cool ce que tu fais, je te jure. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tournoi. Et celui-ci, je pense pas que ce soit trop ton domaine, mais ça fait mal. La danse classique, j'y connais pas grand-chose. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve très vite. Ciao. Salut.